Et salut la compagnie, je suis juste pile poil dans le credo. Donc ce soir, petite soirée Elif, deux petits modèles tout petits, tout mignons, la Trim et la Basal, deux petits modèles en kit avec, avec le GSR, alors le nouveau GSR, le GSR Turbo. Donc voilà, on change un peu, on fait du petit matos ce soir. Petit par la dimension, mais ne veut pas forcément dire petit en termes de qualité de vape, etc. Donc voilà, on va voir ça. Comme vous pouvez l'entendre, vous avez une nouvelle musique d'attente. Musique faite par monsieur Vincent Aubrac pour la chaîne. Donc je remercie grandement de sa production. Donc voilà, vous avez 5 minutes pour écouter la musique. Allez, à tout à l'heure.
Et salut la compagnie. Salut monsieur Vincent, comme tu as pu l'entendre, je l'ai mis en ligne comme je t'ai dit tout à l'heure sur Messenger. Donc merci beaucoup à toi pour cette belle musique. Donc a priori, ben pour l'instant, ça a l'air d'avoir un bon retour, hein, ils sont contents. Salut monsieur Stéphane, monsieur Julien, monsieur Hunter qui s'est trompé de compte. Salut Titi. Salut mais qu'est-ce qu'il dit? Ah. J'espère que c'est pas encore monsieur Benny qui a encore pris un compte à deux balles. Salut à tous. Donc ce soir on va faire du petit matos parce que en ce moment en termes de nouveautés au niveau des shops il n'y a pas grand chose, même au niveau des fournisseurs. Hein, a priori c'est assez calme, en dehors des pods, bien sûr. Donc j'ai dit on va faire du petit ce soir, de la petite box. Tout mignonne, qui prend pas de place. Et puis voilà. Donc la iStick Trim. Une petite box avec AQ intégré. Les deux sont en AQ intégré ce soir. Avec AQ intégré qui est fourni en kit avec le GS Turbo. Le GSR Turbo. Et la petite Basal de chez Elif aussi. Donc c'est un peu la sœur. Hein. C'est aussi avec le GS Turbo. C'est deux styles différents. Une qui est plus simple que l'autre. Donc on va voir ça gentiment, comme d'habitude. Quoi. Voilà, Steph, ouais, du 30 watts, du petit qui va. En même temps avec le GSR, tu vas pas plus haut. Hein, tu vas pas beaucoup plus haut que 30 watts. Hein. Donc voilà. Et je vous parlerai peut-être aussi un peu du petit nouveau qui est là, le Nefarious de chez Asmodus, qui est pas mal, ma foi. Parce que j'ai viré le RDTA5 parce que j'arrêtais pas de parler de Top Cap, il faisait que se barrer, donc ça m'a fatigué aujourd'hui, donc je suis passé au Nefarious. Voilà. Bon. Allez, on va commencer. Attends, il me manque un petit logo. Voilà. Comme j'ai oublié, je vais le faire de suite. Alors, où c'est qu'elle est? Hop, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je me mette. C'est plutôt. Ah oui, non. C'est sur le plan serré. Hop, hop. Yeah. Voilà, au bout de mon doigt, vous avez mes deux sponsors de. Ah oui, vous allez voir une petite nouveauté. Un petit monsieur qui s'appelle Nightbot. J'ai vu ça sur les chats de reviewers anglais, américains. Un petit bot automatique. Et ben, j'ai rajouté ça, tiens. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Ça fait modo, ça fait des petits messages. Répétitif, c'est sympa. Donc vous verrez de temps en temps passer Nightbot. C'est pas la peine de lui écrire, c'est un robot, enfin un programme en l'occurrence. Donc je disais merci à mes deux shops partenaires, Va pour Va Pagradinien, Monsieur Victor, et la team Sigusto à Pessac Bersol, Kevin, Thomas, Hippolyte et tout est quanté. Voilà. J'ai oublié personne. Non. Bon. Donc ce soir donc deux petites box, donc la Trim et la Basal. Par qui on va commencer? Bon, on va commencer par la Trim. Hein. L'iStick Trim. Donc comme je vous disais, fourni avec un petit GSR turbo dessus. Unboxing. Donc fourni dans une petite boîte cartonnée classique chez Elif, hein, avec le scratch code, rien extraordinaire, la boîte habituelle. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc ce qu'il y a à l'intérieur, il y a l'iStick, la box, le GS Turbo, une résistance en 0,75 GSR et une résistance en 1,5.
le câble de charge, deux manuels et des spare parts. Voilà. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout petit, c'est tout mignon. Les dimensions, alors, les dimensions, j'avais retrouvé mon réglé pour prendre les dimensions. Mais ça, c'était la semaine dernière. Et entre-temps, je l'ai reperdu. Ah non, ça va, il n'est pas trop loin. Donc, en termes de dimensions, ça nous fait quoi? Vous voyez, c'est tout petit, hein. Ça nous fait 74 mm de haut. En gros, on a 34 mm de large pour une épaisseur de 15 mm. Donc, clairement, vous mettez pas du dato en 22 ou en 24 dessus, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour du petit. Donc, livré avec le GSR Turbo. Vous allez me dire pourquoi GSR Turbo. Ces nouveaux modèles de GSR, ils ont fait un système en fait de bagues que vous avez en bas. Petite bague caoutchoutée. Une petite bague noire là. Et en fait, ça vous permet d'avoir un airflow réglable sur le GSR. Ce qu'il n'y avait pas avant. Vous allez me dire, ça sert pas trop à grand chose pour du petit tirage comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Ça permet de vraiment optimiser le tirage comme on a envie. D'avoir un airflow réglable, c'est toujours mieux que ça. Donc, plateau. Alors, je le mets de côté parce que c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Puisque je ne peux pas le mettre en liquide. Donc la petite pochette de rechange, donc avec une petite bague, vous avez une petite bague plastique pour le GS Turbo pour l'airflow là. Vous avez donc la deuxième résistance qui est fournie avec, des petits joints, et vous avez une petite carte noire là, carte en papier, qui en fait sert à pouvoir vérifier le numéro que vous avez là-dessous. Si vous perdez cette petite carte, en fait, vous ne pouvez pas vérifier le numéro qui est dessous, quoi. Alors, vous allez me dire que ça ne sert pas grand-chose, mais ça peut servir pour des questions de garantie. Si vous voulez voir le numéro de série, bien, vous avez besoin de cette petite carte à passer dessous pour pouvoir voir le numéro. Voilà à quoi ça sert. Donc, c'est pas à jeter. Le petit câble de charge, comme USB classique. Hein. Ah, il est bien, mon petit bot. Câble de charge qui peut supporter 2 ampères, donc c'est pas mal. Câble classique, hein, USB. Elle prend les résistances, mais en mini, elle doit prendre les 0, elle prend les 0,75 puisqu'il est fourni avec du 0,75. Alors, ça, c'est le drip tip qui va avec le GS Turbo. Et donc vous avez un manuel pour le GS Turbo Quick Start et un petit manuel pour la box iStick Trim. Vous n'allez pas voir grand chose à l'intérieur, hein. Alors, il y a ce multilangage avec une partie français, c'est bien. Donc allumer et éteindre 5 fois. Il y a des LED pour vérifier comment elle est chargée. Voilà. Donc vous avez des LED, donc 5 LED chargés à fond, 4 LED de 80 à 61%, 3 LED de 60 à 40%, 2 LED chargés d'allumés de 40 à 21% et une LED 0 à 20%. Et après vous avez 3 niveaux de puissance. Salut Taz! Les trois niveaux de puissance sur cette box. Donc une fois que l'appareil est sous tension, 1, 2, 3.
Voilà, 1, 2, 3, vous passez en height. Voilà, low, 1, 2, 3, medium, 1, 2, 3, height. Et les LED que vous avez en dessous, c'est pour la charge. Donc, et en fonction du réglage de puissance que vous sélectionnez, vous avez une certaine puissance en watts. En fonction de la valeur du coil, donc pour le coil de 0,75, donc entre 0,6 et 0,9, ça va de 12 à 22 watts. Et pour le coil de 1,5, entre 1 et 1,99, ça va de 12 à 18 watts. Voilà. Donc vous commencez à 12 watts jusqu'à 22 en, si pour le coil en 0,75 et jusqu'à 18 pour le coil en 1,5. Coupure à 15 secondes, pas à 10 secondes, d'accord. Protection pour circuit, protection basse tension, détection de résistance, et puis voilà, basta. Vous n'avez rien d'autre là, donc. On ne peut pas dire que ce soit très explicite, mais en même temps, c'est une box toute simple, donc c'est peut-être un peu normal qu'il n'y ait pas grand chose dans la doc. Je remets tout ça là-dedans. Hop, je mets ça de côté. Et on va voir la box par elle-même. Donc, à queue intégrée, ils ne mettent pas la capacité. Capacité de la queue. Il me semble que c'est une 2500 milli, mais je suis pas sûr. Je vais voir sur le site de Elif. Quand même pour vous donner la bonne capacité d'accu. Comment il s'appelle celui-là? On m'a dit le trim avec le GS Turbo. Donc ça existe en 5 couleurs: rouge, noir, grise, verte et rose. Ça pèse 96 grammes apparemment. Voilà, c'est 1800 mAh la batterie. Et elle prend de 0,6 à 3 ohms. C'est quand même important, l'info. Donc vous voyez, c'est tout petit. Je vous rappelle les dimensions, là je les ai sous les yeux. 126 mm, donc ça soit être avec 126. Ouais, 126 mm, c'est avec l'atomiseur dessus. De haut, 15 mm d'épais, 35 mm de large, 1,8 ml I10 pour le GS Turbo, et puis c'est tout, ce qu'il y a comme info intéressante. Donc c'est tout compact, il y a quand même des trous de dégazage, c'est pas mal, pour des accus intégrés, c'est quand même bien d'avoir des trous de dégazage. Un petit bouton fire. Le port USB pour le rechargement de ce côté-là. Et vous avez le petit écran au-dessus. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais mettre le GS dessus parce que peut-être que s'il n'a pas la taux, il ne détecte pas. C'est parce que j'avais éteinte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On l'allume. Et du coup, avec le GSR, il n'arrive pas à faire la mise au point. On va sortir. Voilà. 1, 2. Donc là, on est batterie chargée et puissance haute. 1, 2, 3. Salut Cosmo, salut Uno, salut Nico. 1, 2, 3. On passe en médium. 1, 2, 3. Je clique trop vite. 1, 2, 3. Je l'ai encore éteinte. 1, 2, 3. On passe en high. 1, 2, 3. On est en low. Voilà.
Avec un GSR classique, elle est pas flush. Il est un peu plus large, donc il faut le GS Turbo hein, qui est fait pour aller avec. Mais voilà, c'est une petite box toute mignon. On va voir ce que ça donne. Donc là, je suis en low. Donc en low avec ma résistance en 1.5, je crois que je suis à 12 watts. C'est du petit. Hein. C'est du tout petit petit. On va passer en médium. Ah, médium, c'est un petit peu mieux. Ouais, medium c'est un peu mieux. Alors c'est un peu pénible ce on sait pas vraiment quand c'est qu'elle est allumée ou quand c'est qu'elle est éteinte parce que les LED elles s'éteignent une fois qu'elles ont affiché ce qu'elles ont affiché, elles s'éteignent les LED, elles restent pas allumées, c'est dommage. Là, je viens de passer en high. Bon, c'est petit. Hein. C'est pas ce soir que vous allez voir du cloud. Hein. Voilà, en high c'est vapable, c'est ça va. Donc voilà pour la petite vape indirecte, pas de puissance, c'est très bien. À ceux qui veulent y vaper des liquides un peu spécifiques, c'est parfait pour ça. C'est tout à fait pour. Et j'ai bruit parasite. Non, j'ai pas de bruit parasite sur autour des. Oui, c'est du 50-50. Ah, c'est possible que c'est le souffle du ventilo que vous entendiez, oui. Ah oui, parce que d'habitude vous entendez. D'habitude vous n'entendez pas le ventilo parce que. C'est d'habitude, voilà, vous entendez plutôt le bruit de l'ateau. Effectivement, là-dessus, vous n'entendez pas le bruit de l'ateau. Voilà, c'est petit, c'est mignon, c'est compact, sans vouloir paraître misogyne, c'est féminin, parce que c'est petit, ça devrait plaire à pas mal de personnes de la gente féminine qui veulent des petits trucs. Voilà, c'est un tout petit truc qui, bon, ça renvoie pas beaucoup de patates, hein, mais c'est efficace, enfin ça fonctionne. C'est un peu long quand même, hein. On va voir à l'oscillo ce que ça peut donner, mais du coup on n'a pas grosse patate dessus, hein. Alors les petits oscillos. Alors 1, 2, 3, on va passer en low. Vous voyez, quand vous mettez un ato en 20 quelque chose, là c'est du 22, hein. Ça dépasse un peu beaucoup. On voit même plus les LED.
Donc là, je suis en lot. Alors, en lot, ça nous donne quoi? Ah. Eh bien oui, je suis bête. Eh oui. Je suis bête. J'ai voulu mettre une résistance, la résistance que je mets d'habitude sur mon plateau de test. Bon, j'ai regardé avant, j'étais à 0,30. Mais j'ai oublié qu'elle prenait que 0,60 minimum. En sortant une coil. Même en sortant une coil, il veut pas. Pourtant, je suis au-delà du 0,60 là-dessus, hein, avec un seul coil. Enfin, je mette un coil en un ohm. Je suis à combien là, en sortant un coil? Ah, je suis à 0,59. En sortant un coil, je suis à 0,59. Et elle, c'est 0,60 mini, ouais. C'est pour ça qu'elle me dit fuck. Bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'avais pas prévu cette éventualité qu'il faille... qu'il faille que je fasse une coil spécifique. Pas grave, j'ai un bout de Cantal qui traîne par là, on va faire ça vite fait. On va faire ça vite fait, un petit bout de Cantal. Un petit tournevis. Voilà. Alors, je prends une com. Non, c'est un vrai robot, you know. C'est pas petit Jean qui est déguisé, c'est un robot. C'est un vrai. Un vrai bot. Pourquoi ce serait petit Jean qui est déguisé d'ailleurs? Pourquoi j'aurais appelé Anna? Anna Barbera? Là, il est pas joli mon coil à l'arrache.com. Alors, combien j'ai de résistance là-dessus?
à 0,60. Faut que je rajoute un tour. Je le sens bien. Non, il est pas intelligent, Tofu. Il est juste là pour faire de la modération de spam ou de choses comme ça. Ah, faut que je fasse un tour de plus, hein. La modération de spam et des choses comme ça, puis pour rappeler des messages à intervalles réguliers. Mais il est pas intelligent. Ah mais non, je suis bête, même si je fais un tour de plus, ça change rien. Ma longueur de fil sera toujours la même. Échec, essaye encore. Vous avez trouvé un nouveau jouet, quoi. J'ai dit, ils vont pas le remarquer, mon bot. Ben si, il remarque, il joue même avec. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix tours, il va quand même être assez haut à 10 tours sur du gros Cantal. Ah, faut bien que vous occupiez le temps que je fasse mon coil, je comprends. Non, parce que là, Cosmo, c'est moi qui fais la modération. C'est YouTube qui me dit... Ah, si! Si, il a bossé, hein, Yuno, et il t'a supprimé tes messages. Alors, j'y suis pour rien. Mais voilà, il spam. Il shoot les spams un peu. Ouais, c'est parce que t'as mis trop de symboles, je crois, ou il a été sensible à ça, ouais. C'est pour ça. Bon. Alors, est-ce que genre un coil assez haut, là? 0,87. Bon, il devrait être quand même bon. 0,87, elle devrait la prendre. Ah, voilà, on a enfin quelque chose avec un coil en 0,87, ça fonctionne. J'arrive à avoir un truc. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Combien ça envoie cette petite chose? Alors, c'est du PWM a priori. C'est intéressant. Ouais, c'est du PWM. C'est marrant ça. D'autres petites box comme ça, ça balance un signal à 50 Hz PWM de volt 29. Donc 2 volts 29 pour un coil en 0,87.
2m9 fois 2.29 divisé par 0,87. Ah, on a du 6 watts. À peu près du 6 watts. Actuellement. 1, 2, 3. On passe en médium. Alors, en médium, ça change quoi? Le voltage est le même. Alors, vu que c'est du PWM, faut que je me mette à la bonne config pour avoir vraiment un vrai voltage. Ah, 3,29. Ah, 2,26 en lot. Voilà, j'ai trouvé un nouveau jeu pour occuper les gars qui visionnent le live. Tu mets un bot, ils s'éclatent. Je veux que vous éclatez bien avec le bot, bon, pourquoi pas. Donc, je vous disais que en lot, on a 2,27 volts. En médium, on a 2,79 volts. Et en high, on a 3,30 volts. Donc 3,30 volts sur un coil en 0,89. On envoie du 12 watts, ouais, c'est ça. Hein. C'est ce qu'ils disent dans la notice. C'est ce qu'ils disent dans la notice, ouais, 12 watts sur la plage. Ah non, je crois qu'ils disent un peu plus haut. On va reprendre la notice pour vérifier. Là, on est sur la plage, donc normalement, on devrait être à 12 watts en minimum et jusqu'à 22 watts en maxi. Puisque c'est un coil 0,87. Donc, elle est un peu en dessous, quoi, en termes de puissance. Enfin, un peu même beaucoup, puisque là, en high... j'ai 3,33 et ça nous fait du 12 watts. Ouais, on est à 12 watts. Donc ouais, elle envoie un peu moins quand même. Mais par contre, c'est marrant que ça soit une box en PWM. C'est marrant. Comme quoi le PWM est pas réservé aux grosses puissances, quoi. Avec des tout petits machins comme ça, vous avez des box en PWM. Voilà. Ouais, c'est mignon, hein. Mignon. Hop, ça je vais remettre là-dedans.
Ben ma foi, voilà, si vous voulez un petit truc qui fonctionne. Alors a priori, on n'est pas sur les puissances. Les puissances données, hein. On est en dessous a priori, après les mesures. Oui, PWM qui fait pas du tout de bruit. Ici, il fait pas du tout. Et justement, parce qu'il est à basse fréquence. Donc, comme il est à basse fréquence, on l'entend pas. À 50 Hz, basiquement, le courant étant à 50, enfin le 220, c'est à 50 Hz, mais tu n'entends pas siffler. Donc là, 50 Hz, c'est une fréquence assez basse pour pas qu'on l'entende siffler, quoi. Mais voilà, ça fait un petit setup compact qui, ma foi, ben pour du GS, ça fonctionne. Hein. Bon, faut quand même être en height pour que ça donne un peu un minimum. Mais c'est pas mal. C'est réactif vu que c'est du PWM. Ça part de suite. Voilà. Bon produit. Bon petit produit. C'est pas cher. En plus, c'est pas cher d'ailleurs. Je sais même plus à combien il sort, Victor, mais il le sort pas cher. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, on le range là. Lui, on va le poser à côté pour l'instant. Et on va voir la basale. Non, 12 euros, je sais pas où c'est que vous le trouvez à 12 euros, mais en shop il n'y a pas à 12 euros, ça c'est sûr. Donc la petite basale. Hop, je vais dézoomer un peu. Donc la boîte c'est la même, hein. Ils ont juste changé le dessin dessus, mais techniquement c'est exactement la même boîte. Hein. Donc il y a la box, le GS Basal. Alors c'est pas le GS Turbo, c'est le GS Basal. Il s'appelle comme ça. Une résistance à 0,75, une résistance à 1,5, un câble, deux manuels et des spare parts. Là par contre on sort maximum 30 watts, a priori. Donc on va le vérifier ça, quelle puissance elle sort. Ouais, mais c'est souvent qui. Enfin je. C'est le premier test pour Nightbot, il faudrait peut-être que j'augmente un peu la fréquence de. Voyons voir. Top chat sur les stats de Nightbot, top chatter, you know. C'est pas mal. Alors je vais augmenter un peu le. L'intervalle, allez, on va le mettre à 20 minutes. Là, il sera un petit peu moins présent. Donc je c'est un robot, vous énervez pas. Non, il est en automatique, Tofu. Là le bot il est en automatique, donc toutes les 20 minutes il balance le message
Si vous aimez, mettez un pouce bleu. Si vous aimez pas, mettez un pouce rouge, mais dites pourquoi. Et toutes les 25 minutes, il va dire n'oubliez pas le Discord. Voilà, c'est automatique, je fais rien, c'est lui qui s'occupe de tout. c'est pas un troll, c'est un petit troll, on va dire. Allez, un petit troll. Donc revenons à nos moutons. Mais il peut ban au bout de combien de warnings, je sais plus ce que j'ai configuré. Non, je crois qu'il ban pas. Il banne pas. Non. Il punit, mais il banne pas. Il punit, mais il banne pas. Il est gentil. Il fait juste puni, c'est tout. Ah oui, il efface les messages qui modèrent. C'est-à-dire que... Bon, on va faire une pause sur la review. On va parler du Nightbot, puisque ça vous intéresse. En fait, quand vous tapez des commentaires en majuscules qui font plus de 8 caractères de majuscules, il vous bannit pendant une minute. Non, j'oublie une bêtise. C'est pas pendant une minute. Ah oui, au premier avertissement c'est 5 secondes, deuxième avertissement c'est... Alors on va descendre à une minute, parce que je l'avais mis sur une heure. Allez, je vous le désactive. Ça, vous allez arrêter de jouer avec. Je ferai un réglage un peu plus affiné la prochaine fois. Voilà. Il vous bannira plus, c'est bon. Il vous bannira plus. Il va juste toutes les 20 et 25 minutes envoyer un petit message. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, on va peut-être pouvoir reprendre le cours du live. Donc, je vous parlais de la Basal. Donc, petite box qui sort 30 watts en accu intégré d'une certaine quantité d'ampérage, que je vais vous dire de suite. Où qu'il est le Basal. Le Basal. Le Basal, c'est une 1500 mAh. 30 watts maxi. Qui existe en rose, en gold et en brushed silver. Il y a trois couleurs. Les dimensions 128 mm de haut avec la taux, 15 mm d'épée, 36,6 mm de large. Elle prend 2,06 à 3 ohms comme l'autre.
réglage de 1 à 30 watts, 1500 mAh la batterie, avec un courant de charge maxi à 2 ampères. Voilà pour les caractéristiques. Et donc, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. C'est une petite pile toute carrée. C'est aussi mignon. Avec un petit afficheur. Un bouton moins, un bouton plus, un bouton fire. Un 510. Le port de rechargement USB qui est dessous. Contrairement à la trim qui est sur le côté. Et par contre, elle n'a pas de trou de dégazage. Voilà, donc ça c'est la version chic, version classe quoi. Donc fourni avec le GS Basal. C'est pas le. Alors c'est comme un GSR, mais il appelle Basal celui-là, GS Basal. Et c'est comme le GSR, le GS Turbo, un airflow réglable dessus, une petite bague en bas. Donc là c'est une bague métallique, c'est un petit peu différent, peut-être un petit peu mieux, le fait que ce soit une bague métallique. Et ensuite à l'intérieur, je pense qu'on doit avoir à peu près la même chose. Le câble de charge, donc qui supporte 2 ampères aussi en 5 volts. La petite résistance avec le drip tip. Donc c'est la résistance classique de GSR. Hein. Et le petit carton pour voir le numéro de série. Et donc le petit guide pour le basal et enfin pour le GS Basal et la petite notice pour la petite notice pour la box, il n'y a rien comme notice. Ok. Ouais, il n'y a vraiment rien du tout comme notice. Enfin, rien extraordinaire dessus. Hop, hop, hop. Donc, je vous les ai présentés à quoi ça ressemblait. Elles sont livrées un peu chargées. Hein. Donc, vous voyez, réglage plus, moins. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'allumer. Et puis voilà, c'est rapido. On va le tester avec l'atout. Ah oui, il faut du 16, encore pas plus. Hein. Ouais, mon GSR c'est du 16 et il dépasse, il est pas flush. Il dépasse légèrement. C'est du 15 quoi. Alors, pour le coup, on va pas trop monter parce que la résistance, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans comme résistance? C'est la 1.5 donc 18 watts maxi. Il faut qu'il y ait 2 heures pour avoir un peu de vape. Bon, bah ça marche aussi bien que la trim. Hein. Petite vape paisible.
Alors là, pour le coup, je vois pas l'intérêt de la 40 watts maxi, parce que vu qu'elle prend des résistances à partir de 0,6, regarde, ça c'est laquelle, cette résistance là, ça c'est la 1 ohm 5, donc la 1,5 c'est jusqu'à 20 watts, et à 0,75 c'est jusqu'à 25 watts. Donc quel intérêt de la faire monter à 40? Très limité. Je vois pas l'intérêt de monter une box à 40 watts pour un ATO qui a une résistance au mieux jusqu'à 25 watts. Non, a priori il n'y a pas de mode contrôle température. Si je fais 3 clics, non, j'ai pas de. La chose qu'on peut changer, c'est l'afficheur, soit on veut des volts, soit le nombre de la durée de la puff, le nombre de puff total, ou le petit symbole batterie, mais c'est tout ce qu'on peut changer. Mais non, il n'y a pas de mode TC ni rien là-dessus, hein. Y a rien du tout. C'est de la petite vape indirecte. Ouais, t'as 20 watts. Ça va être au max de ce que peut encaisser à la distance. Ouais, c'est kiff-kiff, hein. Entre la trim ou celle-là, il n'y a pas de différence, vraiment. Voilà, petite vape pépère à 20 watts en indirect. Ça fonctionne. C'est réactif, hein. Il n'y a pas de souci. On va voir si c'est comme la trim, si c'est du PWM ou si c'est du signal plus classique. J'ai resté encore un I200 à 0,15, ouais. Ah oui, très probablement. Donc, coil détecté à 0,77. Donc, coil de l'espace. Et on va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, elle envoie sa petite pulsation pour vérifier la résistance. Vous voyez les petits carrés qui se déplacent, la puque. Les petits créneaux là. Hop.
C'est la petite pulsation qu'elle envoie pour mesurer la valeur de la résistance. Bon, on va commencer à 15 watts. On va voir ce que ça donne à 15 watts. Ah, c'est du PWM aussi, décidément. Donc 3,06 pour 0,67. watts, on est à 15, enfin 13,95 en 14, donc on est un peu en dessous. watts 3,59. Le coil, on est à 19,23, donc on est encore un peu en dessous. watts. Alors on voit au démarrage qu'il y a un peu de mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Elle démarre petit, puis après elle envoie la sauce. Et elle démarre un peu tout petit, et hop, après elle envoie de la sauce. Donc 25, je sais combien, j'ai dit 25 watts. 25 watts. Ouais, ça bouge pas ça. Il est en train de se stabiliser. 22,5 watts, là elle commence à avoir du mal à fournir. 30 watts. On est à 27 watts, ouais, on est encore en dessous. Hein. Et on va aller voir à full puissance. D'accord. Alors je peux pas monter au-delà de 30 watts. Et le coil détecté en 0,69. Quand je fais plus pour aller au-delà de 30 watts, veut pas. Ah oui, non, c'est normal, j'ai rien dit, c'est une 30 watts maxi. 30 watts maxi, elle en envoie 26,7 au calcul. Donc on est pas trop loin de la réalité. Non, un PWM qui est correct. Ça va, il n'est pas trop vilain. En termes de réactivité, on voit qu'elle est un peu lente à démarrer. Je peux pas zoomer et je peux pas revenir sur un truc précédent. Move. J'arrive pas à vous montrer ce que je vous montrais. Oui, elle démarre à 2,5 volts, et après elle démarre doucement, et puis après elle balance la sauce.
Et donc là, à 30 watts plein pot, on est à 4,25 V stabilisé. Donc 4,25. 0,69 mesuré. On est à 26 watts. Ouais, on est un peu en dessous. Voilà. On est un peu en dessous. Attendez, je reprends un peu le fil du chat parce que j'étais en train de me concentrer sur ce que je faisais. D'accord. Donc voilà. Voilà. Donc pour conclure là-dessus, bah écoutez, c'est du petit truc qui marche. Faut pas dire le contraire. Je dirais que la trim, elle envoie un peu moins que les specs annoncés, et comme la basale. Le petit avantage de la basale, c'est que vous avez un réglage de puissance, enfin un vrai réglage de puissance en watts près, et qu'elle sort jusqu'à 30 watts. La trim monte pas jusqu'à 30 watts. Ouais. Elle arrive à 20 watts péniblement, quoi. Et voilà, si vous voulez de la petite vape indirecte, paisible, ou pour certains liquides, ben ça prend pas de place, c'est tout compact, c'est tout léger, et puis ben ça marche, ça fonctionne. Je suis étonné que ce soit des box en PWM. C'est étonnant pour des petits trucs comme ça, mais pourquoi pas. Et puis voilà, si vous avez des questions sur les box, je précise, pas sur le bot parce que j'ai bien compris que c'était votre pote le bot. Elle fait des bulles, la basale, pourquoi veux-tu qu'elle fasse des bulles? Ouais, c'est étonnant, je sais pas pourquoi ils ont choisi de la faire travailler en PWM, c'est box. Mais c'est ce qui ressort à l'oscillo, hein. C'est flagrant, c'est un signal PWM. C'est pas un signal lisse. Un signal lisse qu'on peut trouver sur d'autres box. C'est bien du PWM. Ouais, avec exactement, et du sel de nicotine, ça serait très bien, oui, effectivement. Avec du sel de nicotine, ça pourrait très bien marcher. Vincent, je suis tout à fait d'accord. Le petit truc, petit détail qui est un peu dommage là sur la trim, c'est que c'est pas toujours facile à voir qu'elle soit allumée ou éteinte. Quand on appuie sur le fire, des fois elle réagit pas de suite, donc on pense qu'elle est éteinte, mais en fait elle est encore allumée. Ah, c'est un petit détail qu'on pourrait y trouver. Et puis voilà. Mais non, sinon de petits matos sympathiques, compacts, pas cher, pour de la petite vape ou du primo en indirect. Et puis voilà. Je peux expliquer le PWM. Oui, je peux expliquer le PWM. Je l'ai déjà expliqué plein de fois sur mes précédentes vidéos, mais je peux le réexpliquer effectivement.
Le PWM, comme tu as vu sur le sur l'oscilloscope, sur l'écran, c'est le courant, il fait 0, 1, c'est-à-dire plein pot de ce qu'il peut envoyer, en l'occurrence 4 volts là. Il reste à 4 volts pendant un certain temps, il redescend à 0, il reste pendant un certain temps à 0 et il repart dans un cycle identique. Et le PWM, en fait, pour obtenir une tension moyenne, on joue sur la largeur, le temps où est-ce qu'il est alimenté ou éteint. Voilà. Faudrait que je le refasse avec une box. Je vais rattraper une box. Hop, je reprends la petite basale. Modulation par largeur d'impulsion, oui. Ok, pigé, d'accord. Bon. C'est plus parlant quand même en visuel. Hop. Voilà. Donc un signal PWM, c'est ça. Ça, c'est un signal PWM. C'est-à-dire, ça va de 0 volts qui est là. Ça envoie tout ce que ça peut envoyer, donc en l'occurrence quasiment 6 volts là, 4 volts 7, pendant un certain temps, et ça revient à 0 volts. Et ça reste pendant un certain temps à 0 volts. Pour moduler, pour avoir une variation de tension sur une variation de cette tension, en fait, on joue sur le temps que ça reste en haut, alimenté, et le temps que ça reste en bas, éteint. C'est ce qu'on appelle le duty cycle. Un duty cycle supérieur à 50%, là on est sur un duty cycle qui est fait plus de 50%. C'est-à-dire que voilà, c'est plus parlant comme ça. Entre les 4 alors tuc move. Voilà, ça va faire beau comme ça. Donc entre ici et ici, c'est un cycle. Mais là, j'essaie de faire simple. J'essaie de faire simple, je rentre pas trop dans l'histoire de fréquence. C'est vrai, là, je simplifie le truc. Alors, on parle juste du duty cycle. Le cycle, c'est entre ce trait-là et ce trait-là. Donc là, on a un duty cycle, on aurait un duty cycle 50%, c'est-à-dire que ça monterait, ça irait jusque-là, ça redescendrait jusque-là, et ça irait jusque-là à 0. Ça, c'est un duty cycle à 50%. Là, en l'occurrence, on est plutôt à 75% du duty cycle. C'est-à-dire qu'on monte ici, on décale, 75% et 25% à 0. Donc ça fait une tension moyenne. Et on aurait 25% du duty cycle et on aurait un pic ici, le premier carreau, 0, jusque là, ça fait une tension moyenne plus fine. Voilà ce que c'est le PWM. Monsieur PJ, comment ça va? Donc, qu'est-ce que tu as suivi, mais qu'est-ce qu'il dit? Ok, impeccable.
j'ai été clair dans mon explication, c'est cool. Ouais, PJ, j'ai mis un Nightbot. Je trouvais que c'était sympa. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions sur ces deux petites box, on va basculer en after. J'ai reçu aussi un petit truc des Chinois. Qui a pas trop grand chose avec la vape, mais un peu quand même. Ça lag? Non, j'ai pas de perte. Ce soir, ça marche bien, voyons, bizarrement. J'ai reçu un petit truc très très bien. Je vous montre. À beaucoup ça va pas parler forcément, mais il y en a un à qui ça va parler. Ah, c'est pas moi. C'est pas ma faute.
Ah, la coupure. Ouais, il y a une coupure, mais c'est